Est-ce que vous avez choisi? Oui, on a vu que vous avez des jus détox. Hein. Vous savez s'il y en a un qui est mieux que d'autres ou pas? C'est quoi comme jus détox? Moi je connais pas vraiment. Ah ouais? Ah mince. C'est... cure détox, pardon. Oui. La cure détox? Avec grenade, cranberry. On va prendre un cure détox alors, s'il vous plaît. Trop cool. Faites le test autour de vous. Montrez un verre avec des fruits dedans. Il y a de grandes chances qu'on vous dise que c'est un jus de détox. Il est pas mauvais. Au de ça? Il est pas mauvais. Eh bien, c'est dommage, puisque la détox n'a aucune existence clinique. Et ce n'est pas l'avis de Renaud ou le mien, c'est un consensus scientifique. Le jus détox ne fonctionne pas. En 2015, on retrouve par exemple cette revue qui alertait, et je cite, « Aucun essai contrôlé randomisé n'a été réalisé pour évaluer l'efficacité des régimes détox commerciaux chez l'humain. » En bref, rien ne prouve que le jus détox de vos marques préférées fonctionne. Revenons à la logique même de la détoxification. Détoxifier l'organisme demande deux prémices. 1. L'existence d'une catégorie fourre-tout nommée toxine. Et 2. Le fait qu'elle puisse s'accumuler dans l'organisme jusqu'à devenir néfaste pour notre santé. Vous le sentez venir, ces prémices ne constituent pas une base scientifique démontrée, aussi surprenant soit-il. Le mot toxine, par exemple, il est ultra vague. Il peut s'agir de tabac, d'alcool, de pesticides, de métaux lourds, de pollution. Il faut réfléchir au cas par cas. En fait, il faut déconstruire l'idée même d'accumulation. Faire un régime détox après une soirée bien arrosée n'a pas vraiment de sens, puisque notre corps fait déjà le travail avec un organe détoxifiant. Il s'agit du foie, et qui fait normalement plutôt bien son travail. En fait, l'idée même que notre corps est un cul-de-sac pour les toxines, c'est presque une dissonance cognitive. On sait toutes et tous qu'un verre d'alcool est éliminé au bout de quelques heures. Et d'ailleurs, la seule détox avec l'alcool, c'est toujours votre foie. Votre corps ne va pas attendre au petit matin que vous le détoxifiez. On le voit, mon foie? Ouais, c'est ça qui fonctionne là. Mais vous voyez la nuance? Faire un geste pour une bonne raison en sachant comment et pourquoi ça fonctionne, c'est plutôt plaisant, non? C'est plus une solution simple pour votre cerveau et votre bonne conscience que pour votre corps. D'ailleurs, il n'y a pas que votre foie qui vous détoxifie. Parmi les autres Avengers de la détox, on retrouve les poumons avec le CO2, les reins avec l'urine, ou encore la peau et les intestins. Mais ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il existe bien des composés qui s'accumulent dans l'organisme, mais ces cas spécifiques sont encore moins sensibles à toute forme de régime détox. Les métaux lourds comme la magnétite, que l'on peut respirer dans l'air pollué, sont de véritables problèmes de santé publique et de risques de pathologie. C'est ici que la barrière devient floue avec des dérives commerciales, voire sectaires, puisque l'on parle ici de véritables maladies. Il est toujours bon de rappeler qu'un certain Thierry Casanova, un des gourous de la naturopathie, a été mis en examen début 2023. Et pour cause, certains jus détox ont montré non pas une détoxification, mais de véritables dégâts sur notre santé. Par exemple, la surconsommation à base de jus de betterave et d'épinards augmente le risque d'insuffisance rénale. Ce jus détox ne détoxifie pas, en abus, il vous flingue littéralement votre système de nettoyage. Vous êtes toujours là? Alors on en profite. Écrire ce type de vidéo nous a pris plusieurs heures, notamment à lire tous les articles scientifiques. C'est donc une réalité, quand on veut parler de choses scientifiquement démontrées. On ne peut pas juste lire des trucs sur internet. Alors faites comme nous et ayez le bon réflexe. S'il n'y a pas de source, on préfère ne pas partager.